Le bilan de Mama Fifi Masuka au sein de la province de Lualaba est positif. Je pense qu'on ne peut pas parler de bilan positif. J'aimerais que nous puissions ajouter que le bilan est largement positif. C'est largement positif. Il y a deux images. On ne peut pas aujourd'hui parler de détournement dans la province de Lualaba. Même si vous parlez de deux fermes, entrez en profondeur, vous allez comprendre que ce sont des spéculations. Madame Fifi Masuka travaille dans la transparence. L'UGF est arrivé dans la province de Lualaba. L'UGF a contrôlé. Au finish de la mission, on a loué les efforts de l'excellence Fifi Masuka Sahin. Ce n'est pas nous. Et je pense que l'UGF est mieux placé que moi. Et si l'UGF a loué les efforts, le travail, la transparence de la gestion de l'excellence Fifi Masuka, le premier citoyen du pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé qu'elle présente Fifi Masuka comme référence de la bonne gestion des autres gouverneurs. Et que dire d'un simple citoyen que je suis? Et je pense que nous devons avoir des retenues, de l'eau dans le vin et accepter le temps des autres. Je pense que c'est le moment de laisser l'excellence Fifi Masuka achever ses chantiers que le chef de l'État viendra inaugurer 2028, c'est pas loin. Donc, nous sommes limités que dans la Bécoma Rayon, nous avons l'intention en acte. Nani a lobby, ou bien quelle loi interdisant quand tu es le fils ou la fille d'un président de la République ou d'un gouverneur, tu n'as pas droit de postuler. Tout le monde n'aurait pas bâti. Non. Est-ce que à la commune de Dilala, il n'y a que le fils de Mama Fifi qui a postulé ou bien il y a d'autres candidats? Vous voyez, c'est manque à faire, les bandes des affaires, bandes des aventuriers plutôt, vous comprenez? Parce que nous, moi, je peux vous citer les noms des gens qui ont postulé. Si on prend Madame Françoise, est-ce que c'est la fille de Mama Fifi? Non. Si on prend aussi Maître Trésor Mahamba, le directeur d'Antifraude, est-ce qu'elle est le fils de Mama Fifi? Non. Si on prend Élisée Kawen, c'est une amie à moi, est-ce qu'elle est la fille de Mama Fifi? Non. Pourquoi les gens... Et vous avez déjà 25 députés, les gens c'est ça, toujours... hein? Non. 25 députés. Hein? Ce n'est pas dire que lorsque vous faites que nous avons 25 députés, on n'a pas droit à postuler au municipal. Non, nous avons droit, nous avons plein droit de postuler partout. Seulement que les gens qui sont mal... Pas pour mot de la fin, oui, directement. Mot de la fin, je vais dire ceci. Bissot, l'invitation de Madame Fifi a mal. Mais je crois que vous êtes mieux placé plus que tout le monde. Vous avez vu les œuvres palpables que Madame Fifi a eu à travailler. Elle travaille avec son cœur, pas avec la bouche, mais avec le cœur. Elle se donne corps et âme aujourd'hui parce que vous avez dit que l'image n'a pas été que Congo est changé et comme Allemagne d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons crié en ça. Dans Lualaba, il y a un aéroport international où l'équipe a payé Belé en Afrique centrale. Et j'ai payé Allemagne d'Afrique. Vous avez une échangère. Voilà votre vision. Le pouvoir n'a pas été, nous ne vous imposons pas, mais nous vous supplions. Il y a que Madame Fifi a ça dans la tête de Lualaba pour que Bila n'a pas été, mais et Belé Bazo Yebisa, Mabé à Fifi Masuka. Mais ce sont des kabilistes, des katumbistes, et plus beaucoup ces gens-là, qui disent aujourd'hui Masuka, Masuka. Baza Batu ya Katumbi, Batu ya Kabila. Des soucis majeurs na bango parce que Masuka tient bango mal à l'aise. Je pense que pour Fifi Masuka, elle considère la politique comme un véritable apostolat au service du peuple congolais et au service du peuple lualaba. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, Olivier? Merci également à toi aussi. Je vais te laisser clôturer. Vous êtes spectateur de Congo Live Télévision. Aujourd'hui, nous venons auprès de vous pour parler de l'actualité, ce qui se passe en République démocratique du Congo. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans la province de Lualaba, particulièrement dans la municipalité de Dilala. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est question de savoir, de vous informer, et comme on a l'habitude toujours de venir auprès de vous, vous informer quant à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la question politique en République démocratique du Congo.
Congo, parce que nous sommes pendant cette période cruciale où les lignes se bougent. Chaque politicien est en train de créer soit des coalitions, soit des négociés ou des négociations, mais il est question de la vie de la population congolaise. Comme le président de la République a dit que les erreurs du passé ne vont pas se répéter, c'est une promesse faite à la population que nous venons devant vous pour vous informer quant à tout cela. Nous disons toujours que ici c'est le temple de la vérité, le temple de preuves, parce que comme vous le savez, ici nous parlons que de vérité, nous parlons que de preuves, parce que vous êtes là par la confiance que vous nous faites. Je ne serai pas seul aujourd'hui, je suis accompagné de Madame Marlène Yaouté. Avec elle, nous allons co-présenter cette émission, dont je salue Madame Marlène. Comment vous allez, Madame? Ça va très bien. Bonjour Olivier, bonjour également à tous nos téléspectateurs pour nos live télévisions. Il faut quand même le dire, je suis de Congo Uni Télévision, mais il faut quand même faire un duo justement pour pouvoir vous présenter une belle émission avec deux personnes qui vont analyser à fond, en tout cas les actualités de notre pays, ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. On va parler plus, on va aller du côté de là-bas, on peut parler de Mama Africa, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, Madame Fifi Mansouka. Madame Chimasuka Saïli, aujourd'hui, nous allons en savoir beaucoup plus parce qu'il y a toujours cette concurrence qui règne au sein de cette province et nous allons faire un bilan de savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce Madame va bénéficier de la confiance du chef de l'État ou soit la confiance de la population Lualabaise pour qu'elle soit reconduite? C'est une grande question que nous allons analyser avec nos invités qui sont venus précisément pour parler de cette question et de ces thématiques énoncées. Là, je signale que je suis ensemble, que nous sommes ensemble avec le cordon Walamina qui est là, avec l'acteur politique Didier Masengo et Chims Petit Béton. Nous allons aussi savoir pourquoi Petit Béton, là, nous pouvons le prendre pour la salutation. Et Chims Petit Béton. Bonjour, monsieur Chims Petit Béton. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. J'ai dit bonjour aussi aux téléspectateurs des Congo Life. Et surtout, c'est une grande chaîne qui est beaucoup plus suivie dans le monde. J'ai dit merci beaucoup à eux parce qu'après l'émission, ils vont me suivre. Merci beaucoup. La grande, peut-être la curiosité, pourquoi Petit Béton? Merci beaucoup. Pourquoi Petit Béton? C'est une question que je vais répondre juste en un mot. Petit Béton, c'est quand j'avais constaté que Fatshi Béton, il faisait des choses qui épataient notre pays, parce qu'on a connu des présidents dans notre pays, et effectivement, et il ne faisait pas des choses comme lui. Et en province, chez nous, il y avait une dame qui était dans l'ombre, on l'appelle Marie-Thérèse, la confiance du chef de l'État, Fifi Béton. Tant qu'on a constaté qu'il y a un mot, Fatshi a aussi la moussa la locola Zambé à Congo, mais il y a une dame qui est dans l'ombre. Oh, bah, tout ça qui est Makassi, il faut tout mon aïe Ndenge Nini à développer province. On avait constaté, nous tous ensemble, notre province, bien sûr, on est au Salamakambo, na volonté, ba construction en béton. C'est alors que je vais juger bon, où je vais créer une fondation que j'avais baptisée au nom de Masuka Béton. Voilà les pourquoi, quand le nom avait pris de l'ampleur, le peuple ou la population est jugé bon, ou la famille de la Jeanne d'Arc avait jugé de donner aussi le nom de Petit Béton. Petit Béton, l'homme des armes non conventionnelles. Petit Béton, que nous allons parler de l'actualité en province. Oui. Madame Marlène et monsieur Josué Masengo est là. Bonjour, monsieur Josué. Bonjour, merci. Alors, ça nous fait plaisir de vous recevoir ici, surtout hors nos plateaux. Mais avec vous, on va quand même essayer pour une première, déjà d'entrée de jeu, nous parler de la marche. Quand même, vous avez eu organisé une marche de revendication. Et on ne sait pas pourquoi. Je crois que la marche était samedi. Et aujourd'hui, on vous retrouve à Kinshasa. Et pourquoi avoir organisé la marche? Et du coup, vous venez à Kinshasa. C'est pour quelle raison exactement? Merci beaucoup pour la parole. Il faut déjà savoir que le chef de l'État prône sur l'État des droits et l'État des droits prône sur une justice indépendante. C'est-à-dire que la CENI a prévu déjà
le contentieux. Le contentieux, c'est-à-dire qu'après élection, il y a toujours les dérapages, les erreurs techniques qui arrivent souvent. Nous avons constaté, après la publication des résultats à la municipalité, dans la commune de Dille, à la presse Makolozi, comme c'est une première expérience, pendant la campagne, nous étions avec l'autorité provinciale qui est le gouvernement Fumasuka Saini. Nous avons sérieusement battu campagne. Étant membre de plateforme de l'Ex-France Fumasuka, ANA24-25, à côté de nous, il y avait aussi l'UDPS. Nous avons vu comment les candidats de ces quatre groupements ont battu sérieusement campagne sur terrain et la population les a portés à cœur et les a votés parce que nous avons des PV qu'on ne peut pas publier dans les réseaux sociaux. Mais dans la commune des Dille, vous avez aligné combien de candidats? Il y avait 11 candidats. Il y avait 11 candidats pour trois regroupements, ça fait 33 candidats. Et pour l'IDPS, ce titre, c'est qu'il y a aussi 11 candidats. Okay. Alors, c'est-à-dire que sur le PV que nous avons reçu de nos témoins, dans le top 15, il n'y a aucun des candidats qu'on a proclamé. Parce que le président Kadima a déclaré qu'aucun regroupement n'atteint le seuil. Alors, c'était ouvert à tous les candidats. Celui qui a plus de voix, il devait passer. Et comme on détenait le PV, qu'on a des preuves, on devait d'abord déposer ça à la cour et au tribunal de grande instance. On a déjà déposé. Et après avoir déposé, il a fallu aller rappeler à la CENI qu'il doit récompter les voix. C'est pourquoi le samedi, la population de la commune de Dilala, nous avons marché avec eux. Nous sommes allés à la commune et à la CENI. Nous avons déposé un mémorandum avec une pétition de plus de 1000 voix pour réclamer le comptage de voix bureau de vote. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec les résultats proclamés par la CENI? Nous ne sommes pas d'accord parce que, déjà dans l'entrée des jeux, si vous voyez la commune de Dilala, avec les images que vous voyez, en tête, il y avait le candidat Andy Barampana, il y avait le bourgmestre titulaire actuel de la commune de Dilala, Françoise Mwangeji, qui est de l'IDP Tshisekedi, il y avait un jeune leader aussi, Trésor Mahamba. Donc, il y a plusieurs jeunes qui se sont distingués par rapport à leur travail dans la campagne. C'était vraiment quelque chose d'étrange de voir cette proclamation de gens qui ne savaient même pas leur nom, leur numéro, de gens qui étaient incapables de parler sur quoi ils devaient devenir candidat municipal. Alors, nous avons dit, nous devons arrêter cette hémorragie, nous devons partir par les bonnes bases avec l'élection municipale. Il faut savoir que la démocratie part par la base, et la base, ce sont les élections municipales. Et donc, il était important pour les regroupements A24, A25, AN et de Petr Tshisekedi d'être accompagnés par la population qui a porté le choix sur eux de marcher. Et ils ont marché, vous avez vu les images. Nous sommes revenus à Kinshasa parce que nous savons, c'est la capitale, c'est le siège de toutes les institutions du pays. Il a fallu que nous puissions apporter notre voix, que la justice soit faite, que les candidats qui sont réellement, qui étaient vraiment réellement élus, qu'ils soient proclamés. Parce qu'il y a déjà le barème de la CENI qui a prévu le contentieux et ça doit se faire. Nous attendons qu'on puisse fixer la date d'audience parce que nous avons déjà des preuves et nous avons déjà déposé les preuves. Et je pense que les candidats qui ont été réellement élus seront proclamés. Est-ce que vous pensez obtenir gain de cause par rapport à votre revendication ou qui sont élus ou nommés? Vous n'avez pas cité les noms de personnes qui ont été élus. Obtenir gain de cause, je pense, nous sommes dans un état de droit. Le chef de l'État l'a déclaré qu'on ne peut plus revenir sur les erreurs, mais les erreurs, on peut les corriger. Et donc, il est important aujourd'hui de vous dire que les gens qui nous suivent dans la commune de Dilala, ils savent très bien que Andy Barampana a été élu, ils savent bien que Françoise Mangwege a été élue, ils savent que Trésor Mahamba a été élu. Je parle de gens qui étaient des maillots jaunes par rapport à la campagne qu'ils ont battue. Et donc, les gens qui ont été proclamés, si je peux dire, ce sont des gens... En tout cas, même de visage, on ne connaît pas dans la commune. Parce que les sièges sont raflés par l'UNC de Vital Kamerhe. Ouais. Vous dites que vous avez des preuves, vous avez des PV. Et si eux aussi disent qu'ils ont des PV, qu'ils ont gagné. Voilà, c'est ce qui est important. S'ils ont des PV, qu'ils viennent avec ça au tribunal, nous allons tous présenter. Et vous allez comprendre qu'il y a une erreur. C'est une erreur matérielle que nous pouvons le considérer ainsi. Et je suis sûr que ces regroupements n'étaient pas à la hauteur dans la commune de Dilala. Nous sommes tous témoins, nous avons des images, les campagnes qu'on a battues jour et nuit. Et donc, nous devons être réalistes et dire la vérité des urnes. Et je pense que la justice doit faire son travail, nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas cautionner des erreurs pareilles dans un état de droit. Est-ce que vous regrettez ou soit vous êtes déçu?
Nous ne sommes pas déçus parce que la justice va faire son travail. Nous sommes conscients que lorsqu'on va fixer l'audience, le juge va proclamer le véritable élu de la commune de Dilala. Le véritable élu de la commune de Dilala, avant de poser, de passer peut-être le micro à, au cordon Walamina, une grande question est de savoir, cordon Walamina, quels sont les dessous des cartes? Pourquoi l'UNC rafle les sièges, et c'est au nombre de 9, et que les autres n'ont même pas une place là-dedans? Et dessous des cartes Alinini, cartes Alinini, pour que bah, si elle joue à Bazui, Malouka Nini, Nakati à mairie, ou soit Nakati à y a diriger peut-être province y a Lualaba. Merci Ndeko Olivier. Je vous dirais d'abord merci, c'est un grand plaisir qu'on puisse se rencontrer. Nous étions avec vous l'année passée. Tout à fait. Et surtout, la joie est immense de se rencontrer avec vous en tant que grand journaliste de Congo, Web Télévision. Je salue aussi en passant Madame. Marlène Yaouté, excusez-moi si j'ai bien prononcé. Je signale que vous êtes de Congo Uni Télévision. Donc, Monsieur Olivier, par rapport à la dessous de la carte que INC nous présente, c'est vraiment un homme que nous ne pouvons pas nous expliquer. Mais en tant que les défenseurs du pouvoir, les communicateurs aussi près du gouverneur et du président Fatih, nous sommes censés quand même de dire la vérité, rien que la vérité. Plus beaucoup, nous avons accepté de passer cette émission dans votre chaîne parce que vous êtes tellement suivi, Congo Uni et Congo Web, pour que les chefs de l'État, je sais que les chefs de l'État suivent beaucoup vos deux chaînes, mais nous osons croire ici, vous allez comprendre qu'il n'y a pas longtemps que M. Kamere, hein, il nous a présenté un regroupement que lui-même, au sein de l'Union Sacrée, il a voulu créer d'autres trucs qui a quand même lésé certaines populations, certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ces initiatives. Aussi longtemps qu'il y a l'Union Sacrée, vous voulez aussi créer un autre truc en dehors de l'Union Sacrée. Coalition PCR aujourd'hui. Vous pensez qu'avec cette optique-là, la population congolaise n'est pas d'accord avec l'idée. Et nous revenons à la province d'Ilolaba. Dans la province, pourquoi là-bas? Monsieur Kamere. Ils savent que lui-même, d'abord, avec l'INC, son recrutement. Il y a même des candidats de l'INC qui ont postulé à la municipalité. Ils se sont plaints d'abord. Et même des candidats de l'INC qui ont bâti campagne, qui ont bâti leur campagne, ils n'ont pas eu la chance d'être élus au profit d'autres regroupements d'un parti politique et l'ABD, d'où nous avons vu la majorité des personnes qui ont renflé les 9 postes là, ce sont des candidats de l'ABD. Et ces gens-là, personnellement, ils sont incapables même de mobiliser 10 personnes. Nous qui sommes ici, nous sommes des leaders d'opinion. Derrière nous, nous avons une foule. Vous verrez que Sam Poe est en train d'illustrer les images de notre match que nous avons organisé. Regardez ces images-là. Vous verrez que c'est les trios de ces grandes têtes qui ont organisé cette marche-là pour dire non. Parce que les chefs de l'État aujourd'hui, Alexis Bissau, État des droits. État des droits aussi veut dire que si les choses... Vous constatez que les choses ne passent pas bien. Non, au lieu de se taire, nous devons nous marcher pour manifester notre mécontentement par rapport à ça. Donc, l'idée de M. Kamere, Aneke, Azoa Commune a dit là, sur Azoa Commune a dit là, à Kendepe na mairie. Mairie à Kolozi. Mais aussi longtemps, tu as dit qu'il y a ceux qui ont la carte, majoritairement, peut-être, à Makas, à Kokaïkou Kobimi, sa candidat, peut au niveau national. Mais il était incapable, na INC na ba recoupa na Yakobi Misa ata député national moko na Lualaba. Abimité. Yakobi Misa ka na municipalité. Est-ce que azoluka koboto la direction ya province te? Ezande ba jenaye, ezande ba jenaye o azoluka, mais ba jone ko simba pété parce que biso bana papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba de res mémoire. Le Lezapé Mokolo et anniversaire à Luana et 7 ans, que son âme repose en paix. L'initiative Etienne Tshisekedi d'Atike Labisso, Yakolo Kolo, bah oui, s'il faut dire oui. Je pense que Kosimbate, l'initiative n'a pas salé Kosimbate parce que ma preuve, Bilembo Yangoana, Tomoni Andi Moutombo Barampana, abattre campagne normale, Babilam, les gens même, oh Babimina Nefouana, qui nous présentent même leurs images, oh Bango Babattre campagne. Nakolozi, Ata, Baveg, les Banamiki, Babisso, l'équipe, Babia. Les jeunes leaders yakolozi bango wana tebi bango, mais les gens qui viennent de nulle part, Koluka, tebi ki bazana ba agenda na bango caché,
Mais il faut pas qu'on bombe parce que le bi au tiki au bombi moins d'ambo. Nga la lingi au bomba te au bimisa. Mais question nga ezali moko. Boza bana ya ndaku moko. Tant on a le bi ndaku moko, bino tout boza na kati ya union sacrée. Ouais. Il est vrai que Kamere a sali moi plateforme ya réflexion ndenge ya bengi ya ngobongo. Mais objectif ya Kamere kozala nini ya koluka kozwa siège na kati ya commune ya Dilala et puis koya kozwa na mairie ya Kolwezi. Objectif est Zanini. Par où est la Nini? Bah, on dit guerre ouana et vous allez prendre Nini. Comment ma banque peut ouvrir? Merci, Madame Marlène. Je pense que l'initiative vient de Kokamere et Zali qui a joué commune à Dilala. Parce qu'à Ebiké, Nakati Alola Batoua a trois communes. Nakati a trois communes. Tous les communes à Fungroume, commune à Manika, la commune à Dilala. Commune à Dilala, Lelo, à l'époque, il y a une de Kokabila, na ex-gouverneur Baoba Leka. Et ben naïko ko tsa pen kita ebelé na auto zo benga redevance minière. Ozo landanga na kati ya redevance minière, ce qui que lelo la la ba et s'est développé et ça ko s'est transformé grâce ya moi na moi si auto zo benga mama Fifi Masuka pour que na kati pe ya ba commune azali na ba collaborateur pe malamu ou ba collaboratrice collaboratrice j'arrive ya malamu ozu no kola moi na moi si ko azali bourgmestre Françoise Mangwege. Oyazali ya IDP Tshisekedi parti na biso parti Augustin Kabuya banda kolozi ezala kolozi na kati ya centre ville balfata ngoku tuté ezala ki na banzele belé mais to monika même ba œuvre oyasali na sima ya initiative ya mama Fifi oyazali gouverneur ya province na ba bourgmestre na ye masuka zo pesa ndakisa bango pe bazo exécuter yango mais to moni bilembwana comment ça fait-il mutu apostilé ye moko bourgmestre en place azala incapable ya kobima conseiller municipal, je ne pense pas. Tout le monde peut population Oyazanango. Il dépeste ce qu'il dit et bien ici deux députés provinciaux. La municipalité, Bazanga Kobimisata, conseiller municipal, mon corps. J'ai dit non. Donc, on a Ezana Bakabal, Oyakolia, il dépeste la CC. Mais Balobagi, que l'élection est transparente, crédible. Donc, il y a besoin de crédibilité, on a la CENI. Crédibilité, Zalaki, au bandi Kendeko, Denis Kadima, présent à CENI, à reconnaître. Que y a quand même ba erreur. Ba erreur y a miké et zanga kité. Mais plus beaucoup, na oye leke na niveau ya municipalité, nde wana tomoni yango étrange. Parce que comment ça fait-il? Yo batre campagne te batu ango koutou. Moussousou koutou tomoni ki yaza candidat, moutou te kara ba essence. Moutou a zanga yaza biloko mongo bo ekouti ya politique o moni yete. Mais osu tu kaka boye, biso ba oye toa tellement populaire na lola banandenga o saranate. Au moins, quand Moutouan a ta facteur chance en Gonzamba qui t'a raboué, à côté les gars, mon livre, mon centre de ma conseil municipal, tout bandit que la initiative vient de Kokamere et Kosimate, c'est pourquoi justice état de droit que ça la moussa n'a pas influent, mais en même temps, dans la loi chef de l'état, Azori Karamoué, le pourcentage de moi, ah, de Komarlène, Tika Kolobabilo, le chef de l'état Fatih Béton, a Tika la Azoua qui va voir Yandenga Kolobate dans la loi parce qu'il a été élu. Il a été libre. Si Fatih Béton est mis président à niveau de Kassai, où il a fief natal, bande de opposition, il a combien de voix? Ils étaient incapables de faire 0,1%. Mais dans la loi, il a fait 20%. Dans 20%, ils ont belé. Nous rappelons que en 2011, Kondo Etienne Tshisekedi a fait combien de voix? Comprendre que Masuka Saini a fait la tête de la loi juste 2 ans et demi. Les autres 2 ans, ils ont été dirigeants qui ont été Kabila. Bandai kotia ba pot de banane pour que Fatih Béton koya. Mais tant que Fatih Nzamba révélé a zui charge ya lola ba mission a pesi Fifi Masuka. Aujourd'hui, tomoni bilan o evandi na kati ya lola ba sur le plan infrastructural. Au chef de l'État, tout est l'angoto la battre Katumbi na ma campagne. Eza nini? Katumbi a été gouverneur ya Grand Katanga. Continuité des affaires. Non, continuité. Eza continuité te parce que. Se nawej m'tatika ki moussala wana. Ozo mouyej plutôt atika ki moussala wana. Atika ki eloko mokote. Donc, prokinyo se tou wana. Atika ki ate loko échange, échange, madame Marlène, na gosenga parce que bino, bozapi ba pandisango minene, zwa ta avion, o kita lola ba yoko mouna. Le loto zan échange wana. Est-ce que échange ba tika ango bongo? Premier échange na rekpi, andeo ya biso ya Kinshasa, tozapi échange ya kolozi.
aéroport ou aéroport wa nozomona na plan ya pamba eza masuka nde mutu abengaka ba ingénieur ya partir à Zambie pour que ba élaborer plan na ce n'était pas monsieur Mouyej eza ba tebelé nde ba comprendre été c'est pourquoi la Bible nous dit mon peuple périsse par manque de faute de connaissances. Donc je vous dis que il y a des choses que bino en tant que bapandi sango et singelbo loala be se transformer grâce à Fifi Masuka. Ba obazala ki wana ba bandai ko tia chef de l'état ba po de banane pour que chef de l'état azana bilanté. C'est pourquoi moni na campagne ya Fati dans mon aéroport où ezali premier aéroport na kati ya Afrique centrale. Et les qui ont mis ça, ils ont bâti que la biso. Premier aéroport, on a 4 ans. Voilà, moi, je suis en cordon, on a mis le temps, on a fait ça. Petit béton, micro, là, déjà, ça lit beaucoup, il y a ma situation. Moi, je suis en Marlène Yaoute. Et moi, tout le monde, on a peut-être que ça l'a pas. Moi, je suis en petit béton, et à Bételébiso, ma solo, il y a Bilembo. Et tout ça, les manakats, il y a là-bas. Mais la grande question. Chef de l'État, l'obito consolidé ba qui? To consolidé ba qui? Nakati ya République démocratique du Congo, assigne la population, ba simba. Mais quels sont les acquis qu'on doit consolider nakati ya loi là-bas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, le chef de l'État, c'est ça qui moi, mot d'ordre, la population congolaise, qui est to consolider les acquis, qui est de repartir à zéro. Alors là-bas, nous avons beaucoup des acquis à prendre. Parmi les acquis, il y a aussi des personnes physiques. Comme chez nous là, moi je peux dire que les acquis à consolider, Marie-Thérèse, qui est la représentante valable du chef de l'État, fait partie des acquis à consolider. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, dans les années passées, on a connu le maire de la ville, des gouverneurs, des bourgmestres. Mais par rapport à 2 ans passés, que Marie-Thérèse, la Jeanne d'Arc, a été au Salana, tête de la province de Nabisto, et Kamouissi Bissonios. Pourquoi j'ai dit ça? La redevance minière n'a pas commencé juste à l'époque de Marie-Thérèse, non. Ou à l'époque quand Fatih a pris le pouvoir, non. Ça a commencé il y a très longtemps. Moi, je suis né, grandi dans la province de Loire là-bas. À l'époque, c'était la ville de Kolwezi. Mais je peux vous poser, comme c'est interdit que je pose la question, je me pose la question. À l'époque, cet argent plutôt des redevances minières, c'était juste question de la volonté politique. Ce qui manquait, la volonté. Aujourd'hui, nous avons un président plutôt qui a la volonté politique. Il pouvait faire comme tous les présidents. Il pouvait faire que non, si. Donne-moi cet argent. Ne fais rien. Toi, tu prends aussi ça. Nous avons vu ça. Prends aussi une partie. Donne-moi aussi une partie. Mais le chef de l'État, comme il aime bien son pays, il n'en a pas deux. Il n'a que ce pays comme patrimoine. Il a dit non. Construis la province de Loire là-bas. Mais il y a des gens. Et aujourd'hui, pardon s'il vous plaît. Allez-y. Et il y avait un gouverneur, le prédécesseur de Fifi Masuka, qui a dirigé cette province pendant 5 ans, 6 ans. Il a détourné au moins plus de 309 millions de dollars. Même Marie-Thérèse aussi, elle peut faire de la sorte. Mais pourquoi elle s'est donnée à travailler? Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, le chef de l'État a donné les instructions à Marie-Thérèse de changer l'image de la province du Loire là-bas. Et aujourd'hui, si vous voyez, vous prenez les anciennes images comparativement aux images d'aujourd'hui. La province, on ne peut plus envahir, on vient plutôt d'aller à Lubumbashi ou à Kinshasa. Nous avons notre province qui a changé l'image. Vous pouvez aller du côté aéroport, vous pouvez aller du côté échanger, vous prenez les photos, vous tournez un film, on va vous poser la question, vous êtes dans quelle province? Mais c'est au Congo. Avant de poser la question, c'est-à-dire, Fifi Masuka, c'est un acquis à consolider dans notre province. Je sais qu'il y a deux gens mal intentionnés qui veulent bien détruire l'image de Fatih Béton dans la province de là-bas en voulant exciter, parler de choses contre l'agenda. Pourquoi? Parce que nous maîtrisons bien ce tourisme. Hein? Nous maîtrisons bien ce tourisme. Il y a de ces gens qui ne veulent pas le développement de la province. Ils veulent au moins détourner l'argent. C'est partager l'argent de l'État pour leurs propres intérêts, non
à l'intérêt de la population du Lualaba. Parce que les partisans de l'ancien gouverneur Mouyège disent que Fifi Masuka n'est pas populaire, Fifi Masuka aurait passé par des élections pour que la population s'exprime, et que les partisans de Mouyège disent que Fifi Masuka allait être enlevé ou soit battu par des élections si le président de la République avait accordé les élections au Lualaba. Monsieur le journaliste, moi je vous dis sincèrement, avec un cœur ouvert, je ne parle pas par le sentiment, mais avec un cœur. Personne aujourd'hui, moi je vous parle. D'abord, il faut, vous savez, quand on veut parler de Fifi Masuka, moi je m'étonne quand je vois les gens passent à la télévision pour parler de Fifi Masuka comme une chose, comme une personne normale. Fifi Masuka, c'est une personne spéciale dans ce pays. Comme Fatou Béton, ce sont des gens à consolider, vous comprenez. Fifi Masuka, elle a commencé à faire la politique quand? C'est ça la question, elle s'est posée. Fifi Masuka, elle était élue à Lubumbashi, dans une grande ville comme Lubumbashi, en 2006, comme députée nationale. Mais elle s'est enrichie après avoir pris la direction de Lualaba. Non, après, madame, madame le journaliste, dites-le vous nous. Savez, il faut bien maîtriser les choses. Vous pouvez parler que Masuka, elle a eu à s'enrichir, c'était quand elle est devenue gouverneure. Non, Masuka a commencé à travailler avant qu'elle soit politicienne. Demandez l'histoire, on vous dira quoi. Masuka, elle a commencé à se faire de l'argent avant qu'elle soit politicienne. Mais j'ai l'impression comme si vous limitez le pouvoir de Madame Fifi Masuka. Est-ce que vous voulez seulement qu'elle reste gouverneure ou vous voulez par exemple qu'elle prenne d'autres fonctions aussi? Et vous savez... la vision qu'elle a pour la province du Lualaba pousse nous, la population du Lualaba, de nous dire non, non, il faut qu'on puisse rester avec cette dame. Et avant, Mané, premier ministre était. Non, non, vous savez, oui, si elle peut être premier ministre demain ou après-demain, mais pas aujourd'hui. Parce que nous avons encore besoin d'elle dans notre province du Lualaba parce qu'elle a beaucoup de chantiers à achever pour que le chef de l'État puisse inaugurer. Ça sera une fierté pour elle lorsqu'elle est à côté du chef de l'État. Et le chef de l'État est en train d'inaugurer l'aérogare, échangère, beaucoup de choses dans la province, les malls, la salle de spectacle. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en construction, elle est en train de construire. Il faut qu'elle puisse achever. Question, lorsqu'on va commencer à inaugurer, que ça puisse au moins donner une image de la personne qui a commencé la fondation, l'élévation de Mire, jusqu'à l'achèvement de ce qu'il a commencé. Comme mais consolider les acquis de Boïté. Mais n'est-ce pas que quand même, moi, nous, je pense que nous, 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 Fidèle, bien sûr. Chacun est fidèle de sa manière. Mais moi, je sais que la maman que vous voyez là, l'excellence que vous voyez là, en tout cas, elle est fidèle. Voilà le pourquoi elle est restée parole du chef de l'État. Lorsque le chef de l'État, non, ce n'est pas ça. Lorsque le chef de l'État, à l'obatique, maman Fifi, bon changer image, il y a province Oyo. Elle est restée juste fidèle aux paroles du chef de l'État. Si quelqu'un est fidèle d'abord par les paroles, à combien plus fort qu'à côté de Nungu. Vous savez, lors de la campagne du chef de l'État, il y a eu des gens qui étaient dans l'Union sacrée, dans l'Union sacrée, dans ceux qui ont 9 conseillers municipaux dans la commune de Lala. Tourner Bango va te naquer pas à Tumbi. Banani wana. Mais pour ce qui est Bango va combattre parce que Bagumata. Banani wana. Bagumata. Va te naquer pas à Tumbi. Va naquer pas à Tumbi. Bazan est sacré, vous comprenez. Va te naquer pas à Tumbi. Bobi ah si Masuka, Makamo Banaki si Sangwe Moko. Mais l'agenda il est resté fidèle pendant la période de campagne où vous allez constater que Bamosusu biso zagina équipe Oyo dans sa campagne Oyo kapasi. Au moins, maman, Oyo, à ça la nini. Fatio, à ça la nini. Elle avait l'amour
envers le chef de l'État. D'accord. Il y a un mot qu'on a terrain pour faire la campagne. Il y a chef de l'État. D'accord. Je suis souvent là pour se cailler. 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 Je suis souvent là pour se elle fera encore beaucoup plus de choses. Parce que ici, nous étions ici lors des prestations de serment du chef de l'État. Dans ce moment, la population est sous la kin. Elle a dit, ah, il n'y a pas de temps. Ah, il y a un kin pour changer. Ah, comme un gouverneur à voilà. Kinshasa. Alors, monsieur Josué Masengo. Voilà. Il y a une question que monsieur Béton a échappé, donc il n'a pas répondu à ma question. La question, c'était l'audience qu'a accordée les chefs de l'État à madame Fifi Masuka. Il s'agissait de quoi? Pourquoi est-elle partie rencontrer les chefs de l'État? Est-ce que déjà parce que, entre guillemets, on l'accuse de travailler en collaboration avec Samalou Kone dans leur plateforme créée, BAD, dynamique, agissant et bâtissant? Ouais. Bon, je pense. Ils sont tous membres de l'Union Sacrée. Mm. On ne peut pas faire un grand débat là-dessus parce que... Un grand débat du moment où là, vous faites un grand débat avec Vital Kamerhe et vous dites qu'on ne peut pas faire un grand débat là. Non, là, c'est la vérité des urnes. Il faut qu'il y ait la vérité des urnes. C'est une réalité. Nous sommes dans l'Union Sacrée. Mm. Mais dans l'Union Sacrée, nous devons se dire la vérité. Au nom de l'état des droits, nous devons respecter les victoires des autres. Mm. C'est tout à fait normal que nous parlons de la commune de Dilala. S'agissant de l'audience du chef de l'État avec le gouverneur Fifi Masuka Sahini, déjà, après l'échange, la gouverneure Fifi Masuka s'est exprimée qu'il s'agissait de faire un rapport détaillé de la situation sociopolitique et économique de la province de Douala. Et déjà, il faut comprendre que c'est un signal fort. Après la réélection du chef de l'État, la première audience, c'est le gouverneur Fifi Masuka qui est reçu. Et donc, ça s'annonce déjà très bien que, parce que tout dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État pour que Maman Fifi Masuka soit dans le ticket gagnant de la province du Lualaba. Mm. Et nous comprenons que le chef de l'État ne peut pas repartir à zéro avec la province du Lualaba. Je pense qu'il va préférer qu'on puisse consolider les acquis, comme Petit Béton l'a dit. Et dans les acquis, Maman Fifi Masuka fait partie. Nous comptons plus de 150. Elle est la seule à consolider les acquis à Lualaba. Il n'y a pas une autre personne. Nous parlons... du bilan, nous ne parlons pas des choses qu'il faut faire à l'avenir. Nous comptons plus de 150 chantiers qu'on peut vous faire parvenir, qu'on peut vous faire visiter jour par jour, même dans le Lualaba profond, plus de 150 chantiers qui ne sont pas arrêtés et jusqu'à ce jour, il y a les travaux qui se font. Je pense qu'on ne peut pas être ingrat jusqu'à ce point pour ne pas dire que l'excellence Fifi Masuka, c'est un atout important pour la matérialisation du vision du chef de l'État de la province du Lualaba. Et donc, je pense que c'est tout à fait normal quand une maman comme Fifi Masuka, élue députée nationale, élue députée provinciale, maillot jaune de la ville de Kolwezi, ça s'annonce déjà que c'est une maman qui est aimée par la population. Parce qu'il faut savoir que la province du Lualaba a été prise en otage par nos frères kabylistes pour voir... juste l'effigie du chef de l'État. C'était un travail difficile. Si vous voyez la photo du chef de l'État, à côté, il y a la photo de l'ancien président. Donc, vous n'allez pas trouver une seule photo du chef de l'État. Masuka est arrivée. Elle a imposé par le travail. Et la population aime aujourd'hui Fatih Béton, quand bien même qu'il y a des gens qui, jusque-là, n'ont pas encore compris que les choses ont déjà changé. Nous sommes dans un régime où le chef de l'État veut travailler avec les bosseurs, dont Fifi Masuka fait partie. Je pense qu'on ne peut pas repartir à zéro. Peut-être, monsieur Josué, est-ce que, en un mot, est-ce que le bilan est positif? Parce qu'il y a aussi, quand même, nous avons écouté des accrochages avec la société Teke Fungurume et quelques billets sont sortis et que c'est introuvable. Est-ce le bilan de Maman Fifi Masuka au sein de la province de Lualaba est positif? Je pense qu'on ne peut pas parler de bilan positif. J'aimerais que nous puissions ajouter que le bilan est largement positif. C'est largement positif. Il y a deux images.
On ne peut pas aujourd'hui parler de détournement dans la province de là-bas. Même si vous parlez de deux fermes, entrez en profondeur, vous allez comprendre que ce sont des spéculations. Madame Fimasuka travaille dans la transparence. L'UGF est arrivé dans la province de là-bas. L'UGF a contrôlé. Au finish de la mission, on a loué les efforts de l'excellence Fimasuka Saïd. C'est pas nous. Et je pense que l'UGF est mieux placé que moi. Et si l'UGF a loué les efforts, le travail, la transparence de la gestion de l'excellence Fimasuka, le premier citoyen du pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé qu'elle présente Fimasuka comme référence de la bonne gestion des autres gouverneurs. Et que dire d'un simple citoyen que je suis? Et je pense que nous devons avoir des retenues, de l'eau dans le vin et accepter le temps des autres. Je pense que c'est le moment de laisser l'excellence Fimasuka achever ses chantiers que le chef de l'État viendra inaugurer. 2028, c'est pas loin. D'autres ambitions viendront. Mais pour le moment, je pense que c'est mieux que Fimasuka continue à consolider les acquis de la province. Mais votre, oui, justement, votre analyse par rapport à ces deux plateformes, j'aimerais quand même vous entendre un peu plus. Votre analyse par rapport au PCR et au BAD, hein, c'est ça, d'INADAB, Samalou Kone. Je pense que c'est une course au positionnement par rapport à la primature. C'est tout à fait normal. Dans une salle de classe, nous sommes dans une même salle de classe. Nous avons un seul professeur, nous avons un seul directeur, nous avons le même devise. Ce n'est pas exclu qu'un élève veuille être distingué. Donc, c'est-à-dire que c'est une course au pouvoir. Les gens veulent s'accaparer de la primature par rapport à la majorité parlementaire. Je pense qu'on ne peut pas refuser, mais ça devient des trop lorsque plusieurs personnes considérés comme membres d'une même famille, commencent à se chamailler pour un poste qui dépend d'ailleurs du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On peut prendre un monsieur, un citoyen, qui ne fait pas partie d'un parti politique, nommé premier ministre, parce que tout dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On aurait appris que Fifi Masuka s'est rallié également à Augustin Kabuya, à Jean-Pierre Bemba et Bati Lukwebo. Mais ce n'est pas exclu, ils sont dans une même famille. C'est donc ça ne dérange pas. Ce n'est pas pour la course, ça fait partie des ambitions. Oui. Lorsqu'on nourrit des ambitions, on ne peut pas évoluer seul. Oui. On peut faire des accords avec d'autres regroupements politiques, d'autres partenaires politiques, pourvu qu'on sert la population. Il faut qu'il y ait un objectif précis. L'objectif précis, c'est de satisfaire l'intérêt général de la population. Voilà, nous allons passer à Cordon Ouala-Mina. C'est la grande question au sein de la population congolaise et même de la population lalabaise, c'est de savoir. Il y a des spéculations que Mme Fifi Masuka ne travaille pas avec les jeunes. D'abord, pour répondre à la première question, Mme Fifi Masuka ne travaille pas avec les jeunes. Merci, Monsieur Olivier. Je pense que j'ai dit... Les femmes aussi. Voilà. Je dirais N-O-N, si vous dites par rapport à cette question. C'est pour la toute première fois que Oualaba, maintenant là même, que nous puissions avoir des jeunes qui sont à côté de Mme Fifi Masuka par rapport à l'ex-gouverneur. À côté de Mme Fifi, ceux qui font vraiment sa fierté, c'est les jeunes. C'est comme aujourd'hui, M. Olivier. Le président de la République, Fatih Beton, quand il a eu le pouvoir, il a eu à travailler avec un vieux papa au nom de l'ancien premier ministre Ilunga Ilunkamba. Un papa qui était le plus vieux. Mais quel est le bilan de Lunkamba à côté de Fatih Beton? Quand le chef de l'État a eu à faire son deuxième gouvernement, le gouvernement de Samalou Kone, mais vous osez, allez-y comprendre avec les actions aujourd'hui, le bilan du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État se casse encore la tête par rapport à Lunkamba? Il a compris que lui-même, il avait besoin de travailler avec les jeunes, Samalou Kone qui est un jeune comme nous, il n'est pas plus âgé, mais nous avons vu aujourd'hui, il a relevé les défis. Le budget national était de combien? De 3%, si c'est de 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes dans de combien? C'est 16 milliards. C'est un jeune. Et c'est ce qui a fait de Masuka. C'est ça le fait. Donc, ce qui trouble les opposants de Fatih, de Mme Fifi, c'est quand elle est à côté des jeunes. Aujourd'hui, nous avons bâti campagne du chef de l'État, réélu Fatih Beton. C'est nous, c'est les jeunes, ce ne sont pas des vieux. Et beaucoup de vieux que Mme Fifi avait mis peut-être la confiance en eux, ils n'ont fait absolument rien.
beaucoup aussi de troubadours, excusez-moi avec les termes, les gens qui se disent aujourd'hui, qui se tapent la poitrine, Fatih. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Lualaba pour le chef de l'État? Ils étaient incapables même de porter, de citer le nom des chefs de l'État. Mais c'est nous les jeunes qui se sont donné corps et âme pour que Fatih Béton soit réélu. Et nous avons aussi bâti la campagne de Madame Fifi. Je pense que c'est un faux débat, je ne peux même, pour aller même plus loin, nous avons un jeune directeur, notre ami qui est notre frère, qui est le directeur provincial de l'antifraude. L'antifraude qui est une direction qui lutte contre la criminalité au Lualaba. C'est un jeune. Aujourd'hui, Madame Fifi venait de nommer un directeur provincial de Derlou, le directeur Sony. À la direction de l'antifraude, nous avons notre ami qui est Maître Mahamba et qui était aussi candidat à la municipalité. Directeur provincial, c'est Jean Katunga de la communication provinciale. Un jeune comme toi, comme moi. Mais vous, là, vous parlez. Et je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, pourquoi, monsieur, est-ce que je peux parler provincial et Cordo-Wala-Minap? On ne voit pas de jeunes au sein de postes de régaliens. C'est vrai que cette année, c'est une année de détermination, comme le chef de l'État lui-même a dit, que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. C'est comme aussi au Lualaba. Si le chef de l'État lui accordait 5 ans que Madame Fifi soit à la tête, vous verrez qu'il y aura, en termes de représentativité, il y aura beaucoup de jeunes. Et même dire, si Madame Marlène dit qu'il n'y a pas de femmes, je dis au moins non. Là-bas aussi, il y a des femmes. Nous avons le ministre des Genres, qui est Madame Nathalie. Nous avons le ministre de l'Économie, Madame Lydia Kapapa. Nous avons celui qui s'occupe de, je ne pense si c'est l'agriculture, non, pas l'agriculture, de l'emploi, Madame Ritt. Tu vois, l'excellence Ritt. Donc, nous avons aussi ces quatre ministres femmes qui sont à côté de Madame Fifi. Elle-même, c'est une femme. Comment elle va rejeter de travailler avec les femmes? Je dis au moins non. À côté d'elle, il y a aussi des femmes. Mais cette fois-ci, elle a besoin de travailler avec les gens qui sont intègres, loyaux et fidèles, pas les hypocrites. Parce que nous avons vu beaucoup de gens aussi qui étaient à côté d'elle, des hypocrites, ce n'est pas tout le monde. Des gens qui se portaient garants, qui étaient des fatistes, soit des masochistes, mais au finish, il a bâti la campagne pour le candidat numéro 3. Si je peux même aller plus loin, nous avons des candidats valérés aussi qui sont mieux placés à côté de Madame Fifi. Double élu l'honorable Kaseya Jean-Marie, qui est aussi à Kolwezi, élu aussi au niveau national et provincial. Et à Mouchacha, nous avons l'honorable Roy Kaumba, l'homme de Tononou, comme on le dit bien, l'homme de Tononou, national et provincial. Donc, ce sont toujours des jeunes qui sont à côté de Maman Fifi. Vous ne verrez pas de vieux, M. Olivier. Déjà, je suis en train de me dire que parce que je suis en train de me dire que je mingi en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en profiteur. Parce que tout le monde, tant que ce sont les jeunes, ce sont vous qui vous mobilisez les jeunes pour que vous revendiquez. Et quand il y a des résultats, il y a bino pour ça qui est sur terrain. Mais les lots, vous allez comme on a battu belle, va profiter na Madame Fifi Masuka. Les lots, battu Masuka, vous allez pouvoir communiquer. Battu Masuka, vous allez pouvoir ça là-bas et bah activité na combo et Fifi Masuka aussi longtemps que bino vous allez ouana tout comme on a sort mon côté. Donc les gens battu, on va profiter na vent na bino peut-être disons cela et va causer place féminine à Maman Fifi Masuka. Merci Ndeko. Causer ici ka, je dirais au moins non. Et ça, la moto à cause de Sika, te suppose de Sika, il faut au salam sala. Bisoba Oyo, tous allez liboter à Maman Fifite. Tous allez banana épée sur le plan politique. Oya Kolisi Biso. Le Kola Biso, tous y fait formation, naï de pes, papa Etienne. Mais te yoko baïsa sous un plus au biso, tu y bakate. Oye Lilo, et ça la paix fierté na biso à côté à Maman. Maman Fifi, c'est une maman qui encadre. Ceux qui osa qui gaillard zéro moutou, hein, donc na moutou, le roman exate, osa pembe naïe. Je pense que na dongolomis o bao ba salier loko mon côté ba ko profiter non ba ko profiter le monte parce que nous avons travaillé pour elle-même elle est consciente de ce travail que nous avons fait par rapport au profiteur. Je pense que mama yé mon kwaza mieux placé aibi nana zali hypocrite nana zali boy nana zali boy ba comprendre par rapport ya manda oyo azana pour notre travail pour la chef de l'État Fatih Béton ko pesa yé deuxième mandat pesa yé que 5 ans parce qu'à travers en tant que vice-gouverneur ya Lualaba. Ceux qui a travaillé en tant que gouverneur il y a province ou azali ko gérer pour que azona ba décision plein droit il y a ko décider na likambu songolo pakala et ko za supprimer. Je pense que tozo mon étrange de Olivier na assemblée provinciale assemblée nationale plutôt il y a Kinshasa le 29 au moment que madame Fifi azali ki pe na bureau d'âge ou azali ki wana pe effectivement tomoni na province pe a Lualaba depuis Lualaba zaka Lualaba Katanga zaka Katanga tomona te un jeune Katangé
un jeune Lualabe à Kokokozalapé na Katia bureau d'âge et Assemblée nationale. Moïse Agé Matembo. Donc, le coup la pasteur Guilla Lobaka, le fils fera mieux que son père. Tata Naye Moko Azali Kester, ya Seni, Tomoni Pe Alobaki, était en tant que Baba Wakatanga. Na Katanga de l'élection Kosalima, des ordres de Pekoki Kosalima. Nous, les Katangais, Tolanda qui peut mot d'ordre, ya Baba Katango, Tobenga Amingi Agé Matembo. Tolanda Kiango, le lotte moni moana naye abimi pe député national, a chese pe na tata mboso o azali doyen 80 ans, 81 ans, o azali. Donc, ezali o singopono koloba kenyon soana, ezali na loala bato zali na ba jeune. Maman Fifi en tant que gouverneur, o moni ki ako kiko pe ko kozala quand même nani, mais to moni le o jeune, o azali na 26 ans, soki 27 ans, ako kako bima pe député national, o esali manil pa. Donc, nous faisons quoi que cette fois-ci, détermination, c'est ma cas si on travaille plus beaucoup na baïque et bajène et délai. Mais est-ce que population aza vraiment fière na vous allez gouverneur na bino ou vous allez ko bête la tolo madame Fifi Masuka? Est-ce que bino moko ne vous a fière na ba effort na bino moko vous allez pour na ko relever le défi lancé par la population congolaise? Madame, vous allez fière. Tous allez fiers na maman Fifi Masuka. Nous avons créé en elle au moment où que les autres ne s'attendaient même pas. Nous l'avons suivie, pas parce qu'elle est gouverneure, mais par rapport à sa vision. Nous étions avec elle au moment où personne ne parlait d'elle. Nous, cette équipe ici, nous étions toujours à côté d'elle. Et aujourd'hui, c'est qu'elle est, c'est une fierté pour nous. Elle est la patrimoine national. Nous devons la gérer. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de deux femmes, trois femmes en République démocratique du Congo, sans pour autant parler de Fifi Masuka. Elle a fait un homme. C'est une modèle pour les jeunes filles aujourd'hui. La population est fière. La population, pas l'Olabès, mais la population congolaise en entièreté est tellement, tellement émue de voir une dame. Parce que beaucoup auront crié que des mamans, Misana Bangou et Zaka Kolamba, mais grâce à la chef de l'État, Oazali champion de la masculinité, chef de l'État Fatih Beton, le grand visionnaire, Oyatia qui peut maman Fifi Masuka, Kolobakeye Pazali, premier gouverneur dans la République, qui a causé la moisi avant que Bamoussou sous le loba Zalame, Yenda Zala Kiwana, en tant que premier gouverneur, Pendakisa, Oyazali, Ndakisa, Payaba, 26 gouverneurs, Nyonso, Azan Ndakisa Nabango, Sokyoye Panaye, Aoutang, Sana Mona Kout, maman Moussou, c'est Kintiasa Bazoloba, maman Fifi, école Nini, Tchata Centre, des formations, ya yo moko ya misala na yo ko savoir faire na pouke to banda ko zata formation ba mususu ba yende ko zwa formation. C'est pourquoi la lola ba nde ko ma Marlena kindi na lola ba to na batu to na posa batute pour ba ko apprendre to na bangote to moni déjà ba base solide avant de ko la patrimoine ya lobaki ki mandat Fatih Zaki ko tia fui de fondation après fondation chape d'égalisation to moni quand même le lola minute to zo kende suko na élévation Masuka a mis la fondation, elle a travaillé. Aujourd'hui, quand on sous monte monsus, avec au travailler, sur quoi échanger, aéroport, nana quoi inaugurango. Nous avons besoin parce que excellence y a peine à quatre ou bah excellence y a les sous sous ou y a quoi appel si pending, ça n'a pas gêné loi la base ou loi la base, bah ou bah zupé distinction na bango na ba école humanitaire na sixième, les lots bah képé na niveau y a poto bah autant que là si c'est quoi, c'est une fierté pour nous. Les lots moins engagés hôpital moins engagés et bah d'ailleurs pour ça la tête mouillée j'étais caca une partie. Mais le lot Masuka a pèsé moins que je suis au monde clinique moderne. Au monde a su. A te kaka une partie. A te kaka une partie, pas expatrié. Oh. Mais c'est Jésus a yé bikout. Oui, oui. Rapidement, hein, on est presque à la fin. Oui. A te kaka une partie. Babi yon nomto yé bi masolo ana. Ou au mouillage, a te kaka une partie. En tout cas, c'est. Madame Fifi Masuka récupère en haut. Toi, te kama et kenda. C'est déplorable. C'est déplorable de voir. Une si grande province, la province pilote, poumon économique du pays, vendre une partie de la concession d'un hôpital pour acheter les matériaux à équiper pour un centre de santé. Je pense que c'est inacceptable. L'ancien régime a failli à sa mission avec l'ancien gouverneur qui avait vendu une partie des Mwenge, l'hôpital Mwenge. Il a même justifié qu'on devait acheter les machines, mais pendant qu'on avait tout sauf rien pour en acheter. Et vous avez vu, il avait construit même deux cliniques, je pense. Hein. Si vous arrivez dans cette clinique-là, avec vos doigts, sans pour autant monter sur un tabouret, vous allez toucher le plafond.
L'excellence Fimasuka est arrivée. Elle a construit deux bâtiments. Premier bâtiment administratif à trois niveaux qui va regorger tous les services de santé de la province et avec un clinique moderne, trois niveaux, avec tout le matériau possible. D'accord. Et donc, c'est une correction d'un régime à un autre. D'accord. Alors, il faut juste qu'on consolide les acquis de la province. Voilà. La population est fière de cette dame, l'excellence Fimasuka. Nous-mêmes, on est fiers de cette école parce que dorénavant, les gens n'ont pas cru à nous. Quand on communiquait pour elle, les gens pensaient qu'on passait le temps. Mais aujourd'hui, les gens ont vu les œuvres et plusieurs ont besoin de rejoindre le bateau. Merci la porte beaucoup, est grandement ouverte. Merci beaucoup, M. Josué. Monsieur Petit Béton, la question est la même. Parce que nous avons une revendication de la candidat, de la candidate, de la candidate, de la candidate. Nous avons une lobby. Mais est-ce que vous revendiquez parce que moi, je suis une candidate? Bomoni ngo zani ni royaume bolingi pazala kana kati ya royaume wana ya nakati ya lola batoni. Merci beaucoup madame pour la question. Vous savez, ce sont des gens qui rapidement et parlent juste à mal contre la personne. Ramonyo sozo loba eza komba moko bazo kota na se nonso ba lokanani sisi masuka biso to lingi te ke lola be koma royaume tozana. L'intention en a été. Nani a lobby ou bien quelle loi interdisant quand tu es le fils ou la fille d'un président de la République ou d'un gouverneur, tu n'as pas droit de postuler. Tout le monde n'aurait pas battu. Non, est-ce que à la commune de Dilala, il y a que le fils de Maman Fifi qui a postulé ou bien il y a d'autres candidats? Vous voyez, c'est manque à faire. Les bandes des affaires, bandes des aventuriers plutôt, batoyo, baba zangi ninya kusala. Vous comprenez? Parce que nous, moi je peux vous citer les noms de gens qui ont postulé. Si on prend Madame Françoise, est-ce que c'est la fille de Maman Fifi? Non. Si on prend aussi Maître Trésor Mahamba, le directeur d'Antifraude, est-ce qu'elle est le fils de Maman Fifi? Non. Si on prend Élisée Kawen, c'est une amie à moi. Est-ce qu'elle est la fille de ma fifi? Non, pourquoi les gens... Et vous avez déjà 25 députés, gens c'est ça, toujours... hein? Non, 25 députés, hein? ce n'est pas dire que lorsque, du fait que nous avons 25 députés, on n'a pas droit à postuler au municipal. Non, nous avons plein droit de postuler partout. Seulement que les gens qui sont mal... Votre mot de la fin, directement. Oui, mot de la fin, je vais dire ceci. Bissot, nous voulons à ce qu'elle puisse achever ce qu'elle a commencé, qui est de repartir à zéro. Merci beaucoup. Nous sommes fiers d'elle. Nous sommes fiers de faire partir de cette école de Marie-Thérèse parce que nous sommes en train de suivre la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Merci infiniment, monsieur Josué. Votre mot de la fin. Oh, le mot de la fin, c'est que, vous me voyez, nous avons des PV qu'on a déjà déposés. Il faut vraiment nous montrer. Pour, vous en avez là. C'est pas des PV que vous détenez là. Peut pas publier, on peut publier ça parce que c'est... Ah. Ce secret, ouais. C'est à la justice de faire son travail. Mmh. Nous avons des PV qu'on a déjà déposés au tribunal de grande instance. Mmh. Nous attendons le jour qu'on va fixer l'audience, que les gens qui se sont dit qu'ils étaient élus, qu'ils viennent aussi avec leur PV. On ira en justice et on verra que la justice fera son travail. Merci. Et je suis sûr que nos PV sont réels et la justice sera faite. Merci beaucoup. Alors, nous allons terminer avec vous, monsieur. Ouais, merci vraiment. Un mot de la fin pour moi, je dirais au moins, c'est un message que je m'adresse au chef de l'État. Je sais qu'il nous suit beaucoup, nous personnellement. Il nous suit même à partir de Kinshasa. Que le chef de l'État, tout autour de vous, vous avez des très bonnes personnes aussi qui vous conseillent, mais aussi des personnes qui ne vous aiment pas, qui sont là en train de vilipender la réputation, oui, en train de vilipender la réputation de Madame Fifi en mal. Mais je crois que vous êtes mieux placé plus que tout le monde. Vous avez vu les œuvres palpables que Madame Fifi a eu à travailler. Elle travaille avec son cœur, pas avec la bouche, mais avec le cœur. Elle se donne corps et âme aujourd'hui parce que vous avez dit que l'image n'a que Congo est changé et comme Allemagne d'Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons crié en ça. Dans le Lualaba, il y a un aéroport international où l'équipe a payé Belé en Afrique centrale. Et j'ai payé Allemagne d'Afrique. Il y a une échangère. Voilà votre vision.
na pouvoir na yo moko, nous ne vous imposez pas, mais nous vous supplions ya kozwa madame Fifi azala na tête ya lola ba pour que bilan na yo misala na yo ebele bazo yebisa mabe ya Fifi Masuka. Mais ce sont des kabilistes, des katumbistes et plus beaucoup ces gens-là qui disent aujourd'hui Masuka Masuka. Baza batu ya katumbi batu ya kabila. Des soucis majeurs na bango parce que Masuka tie bango mal à l'aise. Je pense que pour Fifi Masuka, elle considère la politique comme un véritable apostolat au service du peuple congolais et au service du peuple lualabé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, Olivier, merci également à toi aussi. Je vais te laisser clôturer l'émission. Voilà. Merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs. C'était un réel plaisir pour partager ces plateaux avec Madame Marlène pour parler de la question des enjeux majeurs de la République démocratique du Congo. Nous allons nous retrouver à un autre numéro pour continuer de parler politique et surtout que l'actualité aujourd'hui est virale et nous allons continuer de servir la population congolaise. Merci infiniment. En tout cas, on se retrouve prochainement. Au revoir. Au revoir.